Un deux bonjour. J'espère que vous allez bien et vous êtes nombreux, ça me fait plaisir même si je ne vous vois pas. <laughs> voilà donc aujourd'hui on va parler de comment devenir riche sur YouTube en faisant croire à tout le monde que vous êtes un crack. Euh... <laughs> non aujourd'hui on va parler euh, des premières croisades et de la création d'un royaume un peu particulier, mais on va en apprendre un petit peu plus juste après quoi qu'il en soit. Hein, je voulais remercier les vulgarisateurs de m'avoir invité, c'est quand même hyper cool d'être là. Et puis pour moi, qu'approche des 30 ans, c'est quand même une, une grande première, puisque pour la première fois, j'ai fait un PowerPoint. Euh... <laughs> Merci. Je me suis un peu lâché. On a 39 slides, soit à peu près une toutes les 30 secondes, donc on va, on va y aller, voilà. <laughs> donc les premières croisades. Alors, les premières croisades. Qu'est-ce que c'est euh, que les premières croisades En gros, au XIe siècle, euh, les chrétiens et les musulmans, ils sont. Euh, ça va. C'est pas, 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 la guerre. Les musulmans laissent l'accès à Jérusalem et du coup, les chrétiens d'Europe peuvent aller pénard en pèlerinage à Jérusalem. Et tout se passe bien, sauf qu'au XIe siècle, on a une nouvelle force qui arrive dans la région de Jérusalem, qui sont les Turcs Seljoukides. Et Turcs Seljoukides, ils veulent montrer que voilà, c'est des nouveaux, ils en veulent, ils en veulent quoi. Donc ils vont à Jérusalem. Ils commencent par euh, euh, se, mettre à, à se prendre une petite entrée, donc il, il massacre les, les pèlerins chrétiens qui, qui viennent. Ils ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va aussi massacrer la population de Jérusalem, comme ça on sera peinard. Et puis on va conquérir un petit peu tout ce qui est dans la région. Et tiens, pas loin, il y a l'Empire byzantin, si on allait leur taper sur la tronche. On y va aussi, soyons fous. Alors l'Empire byzantin, hein, pour petit, un petit rappel, au 5e siècle, en gros, euh, parce qu'on n'a pas de date précise, euh, quand l'Empire romain se crache, euh, c'est que l'Empire romain d'Occident. En fait, il faut imaginer hein, l'Empire romain, voilà, vous le coupez en deux, la partie occidentale euh, se casse la figure, la partie orientale, elle est toujours debout, elle va très très bien, et ça devient donc l'Empire byzantin. L'Empire byzantin, donc, qui commence à se faire taper dessus aussi, et ça, c'est pas très cool. C'est pas très cool, et donc on a le pape Urbain II qui, en 1096, se dit... Oh non, mais c'est vraiment trop injuste, pourquoi on tape sur les chrétiens Il euh, y a peut-être un coup à jouer, on va se mobiliser, allez, mobilisons-nous, voilà. Et donc il lance un appel à tous les chrétiens en disant, on y va, on va aller péter la gueule au Seljoukide et on va reprendre Jérusalem, parce que quand même, et puis on va aller au passage sauver les byzantins, et puis ça évitera qu'on se casse la gueule entre nous, parce que déjà qu'on aime bien se titiller, voilà, là au moins peut-être que ça pourra fédérer tout le monde pour une cause commune, c'est génial. Et il se passait un truc euh, auquel il s'attendait pas trop, le pape Urbain II. C'est-à-dire que les premiers. Qu'est-ce que je fais là Je ne sais plus. Euh... Un petit problème de slide. Un petit problème de slide. Voilà. voilà c'est mon premier PowerPoint. Et donc, j'ai fait les choses euh, comme, un, comme un cochon. Voilà. faut bien le dire. Donc, voilà, je vous ai. Vous avez tout comme ça, qui est... est magnifique. Donc, les premiers qui répondent à l'appel, euh, bah, ce pas les chevaliers, ce pas les seigneurs comme ils l'espéraient. En fait, c'est les pauvres. Donc il est un peu emmerdé, il se dit « qu'est-ce que je vais foutre de pauvres ?» euh, Les pauvres se réunissent, ils sont des dizaines de milliers, et ils marchent vers Jérusalem en mode « Ouais, c'est cool, allez, on y va, on va leur casser la gueule !» et, euh, et donc, bon, ils ne sont pas très expérimentés, ils ne sont, euh, sont pas formés, donc forcément, bon, en cours de route, il y a quelques viols à droite à gauche, quelques massacres à gauche à droite, mais bon, euh, voilà le principal, c'est qu'ils arrivent à Jérusalem. Ils arrivent à Jérusalem devant des turcs seljoukides qui se disent euh, « C'est quoi ces mecs ?» Ils ne sont pas vraiment formés, ils n'ont pas vraiment de matos. C'est pas grave, on y va. Forcément, les chrétiens sont absolument massacrés. Et les peu de survivants retournent en Occident, un peu la queue entre les jambes. Suite à ça, on a donc ce qu'on appelle la croisade des barons. Donc les seigneurs, les barons, etc., décident de se mobiliser tous ensemble et d'y aller avec une vraie armée, des vrais soldats, donc d'aller jusqu'à Jérusalem pour sauver les copains byzantins et reprendre la ville. Et là, c'est un succès, c'est un succès, ils y arrivent, ils ont de l'expérience, donc ils y arrivent et puis ils reprennent Jérusalem. C'est formidable, bravo, on peut les applaudir. Donc c'est la fin de la première croisade. Et c'est ce qu'on appelle la création du royaume de Jérusalem, je vous dire un peu plus. Il se passe un truc assez étonnant à la fin de la première croisade, c'est que nous, qu'on a pas mal d'occidentaux qui sont arrivés sur place, on a une bonne partie qui retournent dans leur pays. On a fait notre boulot, on s'en va. Et puis il y a une partie qui se dit "Mais euh, bah attends, moi en fait, euh, à la maison, euh, au bled, <laughs> qu'est-ce qui m'attend Si je retourne en Europe, euh, moi je ne suis que deuxième ou troisième fils de seigneur. Au maximum, je vais pouvoir euh, ramasser les miettes que, que mon aîné de frère me file quand mon père va mourir." Et j'ai pas un grand, grand avenir en termes de pouvoir. Ma petite vie pépère, mais moi, je, ce que je veux, c'est. Voilà, j'ai envie d'un truc, quoi. Et donc, on a pas mal de barons qui décident de rester sur place en se disant Bah, moi, mon business, je vais le créer ici, au lieu de retourner, parce que j'ai pas beaucoup d'avenir de mon côté. On va créer notre business. Et donc, ils créaient le royaume de Jérusalem, à l'endroit même où, des fois, il y avait des terres qui avaient été chopées aux, aux Byzantins. Donc, euh, ils étaient censés venir aider les Byzantins, finalement, ils leur piquent quelques gouttes de terre au passage, <laughs> parce qu'ils sont sympas. Et donc, on a deux figures de proue de la création de ce royaume. Donc, on a Godefroy de Bouillon et son frère, Baudouin de Boulogne, qui sont tous les deux fils de d'Eustache de Boulogne, qui était un seigneur assez connu et respecté. Et donc, Godefroy de Bouillon, lui, qui fait vraiment l'unanimité. C'est la superstar à la fin des croisades. Tout le monde se dit, ouais, ce mec, c'est trop bien. Il faut que ce soit lui qui dirige. Il a une poigne d'enfer. Allons-y. Sauf que, euh, alors, lui, il veut bien gérer le royaume de Jérusalem. OK, le problème. Mais c'est un mec... Bon, qui est profondément croyant, qui est humble quand même, euh, et qui dit bon, Moi je ne veux pas le titre de roi. Il faut bien comprendre, hein, à Jérusalem, il euh, y a déjà eu euh, Jésus qui était là, etc. Il a eu sa couronne d'épines. Moi je ne peux pas porter une, une couronne là où Jésus a porté une couronne. Ça serait un, enfin, voilà, il faut rester humble à sa place. Donc, Godefroy de Bouillon décide de se faire appeler, Godefroy de Bouillon, euh, avoué du Saint-Sépulcre. C'est quand même la classe. Et puis, euh, bon, voilà, il fait son petit truc, son petit business pendant quelques temps, et puis il meurt. Donc, ça va être son frère, euh, Baudouin, qui, euh, lui, va, euh, va se dire Non, mais moi, ça va, je, je l'assume, je vais prendre le titre de roi, je suis bien. Et donc, il devient le premier roi du royaume de Jérusalem, on peut l'applaudir. Alors le royaume de Jérusalem euh, qui s'organise très rapidement comme ça, hein, c'est-à-dire que c'est un système pyramidal tout à fait basique. On a euh, le roi, c'est lui qui est juste en haut. Euh, en gros, le domaine de Jérusalem est divisé euh, en gros, il y a un domaine royal et quatre fiefs qui sont dirigés par euh, quatre grosses têtes. Qui euh, ces fiefs-là sont redivisés en seigneurs et en sous-sous-seigneurs et en sous-sous-seigneurs. Enfin, vous voyez le truc quoi. Globalement, tout se passe bien. Et d'ailleurs, le royaume de Jérusalem, hein, euh, qui est créé à ce moment-là, il va perdurer à peu près deux siècles, ce qui est quand même pas mal. Moi, je vais vous parler que d'une partie du truc, on ne va pas aller jusqu'à la fin, pas hein, que ça va faire. Euh, donc, tout se passe bien, même en 1147, quand il y a la seconde croisade, où là, ça se retape encore entre musulmans et chrétiens, c'est un match nul. Donc, globalement, ça va, euh, tout le monde est plutôt content, personne n'a gagné, personne n'a perdu. Bon, même durant des crises comme ça, ça va. Se passe un truc, en 1174, on a amaury Ier, qui est le roi de Jérusalem, euh, qui décède. Jusque-là, bon, euh, des rois qui meurent, il y en a quand même pas mal, les gens sont habitués. Euh, et donc c'est son fils, euh, Baudouin IV, qui va prendre la relève du royaume. Sauf que problème, depuis qu'il est tout petit, Baudouin IV, il a une maladie très grave. Il a une forme assez rare de, de lèpre. Et donc, euh, bon, il a 13 ans. Mais il n'est pas con, il sait qu'il lui reste pas beaucoup de temps à vivre, hein. donc euh, il se dit, bon ok, mon temps est limité, il faut quand même que je trouve quelqu'un euh, pour reprendre la, la suite, et que ce ne soit pas un Pechno qui hérite du, du royaume de Jérusalem. Donc il se dit, euh, moi, bon, je suis malade, j'ai 13 ans en plus, je suis jeune et chaste, donc je vais peut-être pas pouvoir me reproduire tout de suite. Euh, mais j'ai ma, ma grande sœur Sibylle, elle elle est en âge de se reproduire, il n'y a pas de problème. Euh, donc je vais, je vais lui trouver un, un bon mari, un bon prétendant, je vais la marier avec un, un bon parti. Euh, et donc il choisit un mec qui s'appelle euh, Guillaume de Montferrat. Voilà, euh, comme vous voyez, je n'ai pas trouvé d'illustration parce qu'il n'était pas assez célèbre. Euh, Guillaume de Montferrat, qui est un mec bien sous tout rapport. Hein. Euh, voilà, il est, il est gentil, il a des valeurs, euh, un mec assez compétent pour diriger le royaume. Donc ça va. Euh, Jusqu'à ce qu'il meure, lui aussi. Un peu le bordel. Et donc, Sibylle se retrouve veuve. Veuve et au cœur de toutes les attentions, puisque euh, eh bien, celui qui arrivera à, à prendre la main de, de cette jeune euh, jouvencelle arrivera, du coup, à, à prendre sûrement la tête du royaume de Jérusalem. Euh, donc, on a des espèces de petits complots qui se trament, comme ça, en fond, avec des gens qui essayent d'obtenir de, de, sa main. Et à ce jour-là, il y en a un qui est assez fort euh, c'est Amaury de Lusignan. Qui va arriver et qui va se faire copain-copain avec Sibylle. C'est voilà, des bons potes, ils passent des après midi ensemble. Euh, mais lui, il est déjà marié, donc euh, ça le fait moyen. Il ne va pas avoir deux femmes, la polygamie, c'est interdit. Euh, mais il a un frère qui est célibataire, Guy Lusignan, donc il organise une date hein, entre les deux. Ça se passe plutôt bien et en 1080, du coup, civil et Guy de Lusignan euh, célèbrent leur noce, faisant euh, du coup de Guy euh, un éventuel bah, futur, euh, futur roi. En tout cas, Baudouin IV, il est très content euh, parce que lui, de son côté, il s'est dit :« Ça y est, enfin, enfin, j'ai trouvé quelqu'un, je peux mourir tranquille. » En 1183, on fait la connaissance, euh, en tout cas, euh, pas en 1183, mais ici dans cette conférence, avec Saladin. Saladin, qui est le, un chef musulman, qui a plutôt la classe d'ailleurs, qui est assez connu pour être un, un, un chef de guerre plutôt respectueux, qui euh, ne crache pas au figu, à la figure de ses ennemis, qui est, voilà, qui est un mec, euh, bon, si on utilise une expression à la mode, il est Charlie, quoi. Euh <laughs> Donc Saladin euh, réussit à unifier les tribus euh, musulmanes qui jusque-là étaient, étaient un petit peu éparpillées et il rentre dans, dans le royaume de Jérusalem pour aller commencer à péter la gueule aux chrétiens. Euh, et donc on a euh, Guy qui doit réagir. Guy qui est dans son château avec ses troupes. Ça, je parle de Guy parce que Baudouin IV, il est toujours le roi mais il est un petit peu faiblard quand même, donc il n'arrive pas à diriger les troupes. Et Guy doit, doit décider de ce qu'il va faire. Et Guy il se dit, bon. Euh, à quoi ça sert d'aller contre Saladin Moi, je suis dans mon château, je suis peinard. De dehors, il fait quand même un petit peu chaud. C'est un peu chiant pour se rapprovisionner en eau. Moi, je pense que si je reste dans mon château peinard, le mec, il va en avoir marre, il va se barrer. Bon, c'est très résumé, hein, attention. Euh, et c'est ce qui se passe. Du coup, euh, bah, Saladin, euh, Saladin repart, un peu un petit peu déçu. Bon, bah, voilà, tant pis, ce n'est pas pour cette fois. Euh, Isbar et euh, eh bien, Guy de Lusignon, il, il a réussi, hein, mais il passe pour un gros lâche quand même. Et passer pour un gros lâche, autant vous le dire à l'époque, ça craint, ça craint fort. Donc euh, Guy passe pour un gros lâche et Baudouin IV se dit, euh, merde, j'ai peut-être pas misé sur le bon cheval, euh, pour qui je vais passer, moi, si c'est lui qui reprend la, la succession à ma mort, <laughs> autant me suicider maintenant. Euh, et donc, Baudouin IV est un peu dans la mouise jusqu'au coup. Euh, si effectivement, je lis mon diapositive, on en est à la 16e diapositive sur 38. Il y en a une qui a disparu. C'est bizarre. Euh, donc, la solution euh, qu'il va trouver, c'est. Euh, il essaye de casser au début le mariage de Guy Lusignan avec, euh, avec sa sœur Sybille. Il n'y arrive pas. Apparemment, ils étaient assez accrochés. Et donc, euh, la seule technique qu'il trouve, c'est de le répudier publiquement. Donc euh, publiquement, il fait bon, mais à coup, le pas, c'était une merde, euh, désolé. Euh, mais donc lui, no way, euh, je veux pas qu'il devienne roi, hors de question. À la place, j'ai un neveu qui s'appelle Baudouin V, qu'on va nommer Baudouinet, mais qui euh, à l'époque s'appelait vraiment Baudouinet. Hein, les mecs, le, voilà c'était un peu rabaissant, mais enfin il avait 6 ans, il s'en foutait. <laughs> euh, Va devenir co-roi du royaume. Sauf qu'il a 6 ans, euh, il ne sait pas vraiment encore <laughs> ce que c'est que de gérer un royaume, heureusement pour lui. Euh, et donc, on va mettre un régent, Raymond III de Tripoli, son, son oncle, euh, l'oncle de Baudouin IV, excusez-moi. Euh, on va le mettre aussi donc, dans, dans ce jeu de pouvoir pour qu'il puisse gouverner un petit peu le royaume, Raymond de Tripoli. En 1185, enfin, ça y est, Baudouin IV meurt de la lèpre. Il a mis du temps quand même. Et là, en fait, il y a un petit truc que je ne vous ai pas dit tout à l'heure sur le royaume de Jérusalem, c'est qu'à la base, c'est une monarchie élective. C'est-à-dire que quand un roi meurt, les barons, les seigneurs se réunissent pour voter et veux dire Bon, bah ok, c'est toi le meilleur, vas-y, allez, je te file le poste de roi et banzaï. Sauf que bah, au fur et à mesure des décennies, les mecs se sont un peu encroutés et euh, finalement, on a de monarchie élective que le nom décide souvent de filer le titre de roi à la personne la plus proche dans l'arbre généalogique. Et en l'occurrence, bah là, ce n'était pas, euh, pas Baudouin 5 comme le voulait Baudouin 4, mais c'était vraiment Guy de Lusignan. Et du coup, euh, Guy de Lusignan, le lâche, se retrouve un petit peu comme ça, comme par magie, à devenir roi de Jérusalem, alors que le mec avait perdu tout espoir quand même, donc il est content. Euh, et puis bon, il bah, y a quelques barons qui sont un petit peu vénères, ils se disent, oh, mais non, mais moi je ne voulais pas lui, donc je retourne en Occident, je fais la gueule. Euh, donc voilà, Guy de Lusignan est content, les gens sont un peu perplexes, mais tout a l'air de bien se passer. Jusqu'à ce qu'arrive le fameux Renaud de Châtillon. Alors, il était déjà là aussi depuis pas mal de temps, mais c'est vraiment à, à cette époque-là qu'il va vraiment foutre la merde, le mec. Euh, Renaud de Châtillon, c'est un peu un... Un, un gros bourrin. Voilà, C'est vraiment un gros bourrin. L'archétype du gros bourrin que vous avez dans toutes les, les séries ou les films, bah, c'est lui, c'est Renaud de Châtillon, qu'aiment pas beaucoup les musulmans, euh, notamment parce qu'il a passé euh, pas mal de temps en tôle chez les musulmans pour avoir égorgé leur bétail. Il est con, mec. Euh, <laughs> Bref, en, en tout cas, il, voilà, il est pas très content. Et puis un jour, il voit une caravane euh, commerciale musulmane qui passe. Et il se dit euh, tiens, si j'en fais mon 4 heures, si je profitais un petit peu. Donc il pille la caravane et puis il s'offre un petit bonus hein, il les massacre tous. Euh, il les massacre tous, et donc euh, Saladin, qui n'était plus en guerre avec les chrétiens, envoie un petit message à Guy en disant écoute, euh, Guy, euh, t'es gentil, ça fait quand même quelques années qu'on n'est plus en guerre. C'est pas très cool, quoi. Euh, ouais, mes mecs, ils faisaient juste que commercer, ils ont rien fait. Euh, pourquoi 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 ton deux euh, Guy lui dit, c'est vrai, je suis désolé, le coup est parti tout seul. <laughs> je vais essayer de, je vais essayer d'aller voir mon gars et de lui dire que c'était pas cool. Donc Guy va voir Renaud de Châtillon et là il se passe un truc euh, qui pas un cas de figure qui s'est pas présenté avant, c'est à dire que Renaud de Châtillon lui dit, mais non, je m'en fous en fait. Euh, moi, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de tuer des musulmans, je le fais. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va continuer à faire. Euh, le guy est un peu emmerdé. Il se dit merde. Je suis le roi. J'arrive même pas à, à imposer mon propre respect. Comment comment je fais Pourquoi euh, Et donc, c'est un petit peu la merde. Donc, il continue. Euh, J'avais loupé un slide qui était tellement déclencheur. Oh, voilà. Euh, et en 1187, Saladin donc craque et attaque le royaume euh, de Jérusalem. Et on se retrouve dans une situation qui est un peu semblable à celle de 83, c'est-à-dire que euh, Guy est dans son château, encore tout seul, et il voit Saladin qui arrive comme ça, et donc cette fois-ci, Saladin lui dit Attends, Coco, <laughs> il y a quelques années, tu me l'as fait à l'envers, tu m'as eu, euh, là il va falloir qu'on trouve un stratagème pour te faire sortir de ta forteresse quand même, tu ne vas pas y rester, et tu ne vas pas te foutre de ma gueule bien longtemps. Donc qu qu'est-ce euh, qu que fait Saladin Eh bien, il se décide, il se dit Bon, euh, pour l'attirer, euh, eux, ils sont réfugiés dans le château de Séphorie. Voilà, ça c'est Chuck Testa pour ceux qui ne connaissent pas, un taxidermiste fort célèbre sur YouTube. Il euh, y a une cité qui a 30 bornes à peu près de Séphorie qui s'appelle Tibériade. Et euh, ça, c'est une autre blague euh, vraiment euh, très poussée aussi, Kenny, avec Kenny West. Euh, on va aller à Tibériade parce que là-bas, il y a un truc qui m'intéresse. Alors, d'abord, c'est moins défendu qu'à Séphorie, il y a moins de monde, donc c'est peut-être un peu moins risqué. Et puis ensuite, là-bas, alors attention, c'est son vrai nom, ça n'est pas un fake. Nous avons Échive de Bure, qui est une fille, hein. euh, vraiment, elle n'a pas été gâtée, la pauvre, euh, qui est capturée. Et c'est qui cette Échive de Bure En fait, c'est la femme du fameux Raymond III de Tripoli, qui était régent tout à l'heure de Baudouin V. Donc, c'est quand même une nana qui, qui est importante, enfin, je veux dire. Et, et du coup, bah, c'est la crise. C'est la crise parce que euh, là, les mecs se disent euh, "Ouf, attention euh, Une jeune demoiselle, tout est relatif. Elle a quand même trois gosses déjà qui sont en âge de combattre. Euh, cette demoiselle en détresse, il faut qu'on aille la sauver. Merde, on est des chevaliers quand même. Et puis, bon, les mecs ont quand même attaqué un, un autre château. Donc, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Donc, il y a réunion. Il euh, y a réunion. Et euh, dans cette réunion, euh, à peu près tout le monde est d'accord pour dire "Ok, on y va." Y compris les trois enfants de la pauvre Échive de Bure, ils disent mais il faut qu'on aille sauver maman quand même, il faut qu'on aille la sauver. Il n'y a qu'une seule personne qui n'est euh, qui pas très chaude en fait pour aller sauver Échive de Bure. C'est son mari, Raymond III. <laughs> Je ne sais pas trop ce qui se passait à l'époque entre eux, mais euh, Raymond III, en gros, il dit. Écoutez les mecs, euh, moi je suis d'accord, hein, ma femme, je l'aime bien, tout ça, euh, voilà, mais je le sens pas, je le sens pas parce qu'on est quand même pas beaucoup, on n'est quand même pas beaucoup. Euh, hein, à l'époque, leur force c'est euh, 2000 soldats, quelques centaines de cavaliers. Il dit, mais si on se fait prendre en dehors euh, du château et qu'on se fait ruiner, <laughs> qui va défendre le royaume de Jérusalem Qui et, euh, et du coup, Guy euh, écoute ça et se dit, ah, il n'est pas con, il n'est pas con, euh, il n'est pas con, il a raison, il a raison, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Voilà. Eh ben, la solution, c'est qu'on fait rien. <laughs> c'est qu'on fait rien. On, on va lui refaire la, le même coup qu'en 83. Et euh, <laughs> on leur fait le même coup qu'en 83. Et, et du coup, bon, alors il y a quelques mecs qui se vénèrent autour de la table, qui le traitent de lâche, Renault de Châtillon, du ah, espèce de lâche, tout. Euh, mais bon, lui, il se retire dans ses appartements, Guy euh, un peu, un peu résigné, mais il se dit bon, bah ben voilà, on ne fait rien jusqu'à l'arrivée dans ses appartements tard le soir d'un autre protagoniste sorti de nulle part, à savoir Gérard de Ridefort. Gérard de Ridefort qui est le chef des Templiers. Ce n'est pas de la merde les Templiers. Hein. Et lui lui dit, écoute, il euh, faut bien que tu reconsidères un peu ce qui s'est passé tout à l'heure quand même. Parce que, à un moment donné... Ça y est, vous avez fini de lire À un moment donné, euh... là tu, tu repasses pour un lâche. Et un lâche grave, grave. Déjà en 83, tu étais un lâche genre plus 1. Là, tu es un, un lâche plus 2, plus 3. Quoi. Et, euh, et ça va pas le faire du tout. Il y a pas mal de gens qui commencent à se poser des questions. Et moi, si tu files un mauvais coton comme ça, je te le dis clairement, mec, je te lâche, je te lâche, tu vas être tout seul. Je vais me rebeller. Attention, ça va chier. Et je serai pas tout seul. Et les autres, ils vont venir aussi avec moi. Donc, tu as un choix à faire. Et effectivement, euh, pour euh, le camarade Guy de Lusignan, c'est le dilemme, le fameux dilemme. Le dilemme est le suivant, il se dit... Bon, euh, ok, donc si je résume les choses, soit je mets en danger mon royaume tout entier et la pérennité de ce royaume, soit je me mets en danger moi-même et mon titre. Évidemment, comme nous tous, il choisit, il, il, je pense que vous auriez choisi comme ça, il choisit de mettre en péril son royaume hein, et pas son titre. Ce qui est assez normal. Et du coup, le mec, vu qu'il est ultra motivé, à 4h du matin le lendemain, le 3 juillet 1087, eh bien, il décide de se mettre en marche vers la cité de Tibériade pour aller bouter Saladin hors de ses terres, avec tous ses hommes. Donc il commence à se mettre en marche, tous ensemble, les archers devant, les cavaliers derrière, en trois colonnes. Euh, et il commence à marcher comme ça, d'un pas euh, fort décidé. Il passe devant un premier point d'eau, il s'arrête pas. Ils se disent oh, non, de toute façon, on est pressé, il faut absolument qu'on y arrive. Et commencent à arriver les premiers cavaliers musulmans. Des archers en fait euh, sur des chevaux qui commencent à les harceler euh, sur les côtés, surtout à l'arrière-garde. D'autant que euh, plus l'armée avance rapidement, plus elle se disperse et donc il est facile d'harceler les troupes à l'arrière. Donc les mecs commencent à prendre un petit peu cher, euh, un petit peu cher dans leurs fesses. Et euh, arrivé dans l'après-midi, bon, ils ont un petit peu chaud quand même, le soleil tape. Hein, on est vers Jérusalem. En fait. Euh, donc, le soleil tape à fond, ils se disent Bon, qu'est-ce qu'on fait euh, Ça va être chaud là pour, pour y arriver. Euh, le prochain point d'eau, il est quand même hyper loin. Euh, qu'est-ce qu'on fait Donc, tu as Raymond 3 Tripoli qui va voir Guy qui lui fait Écoute, à 5 km, il y a les collines de Hattin. Euh, déjà, c'est très joli. Et en plus, euh, on peut on peut éventuellement aller se ravitailler en eau là-bas. Guy lui dit Ok, go, on y va, c'est parti. Pff, colline de Hattin. Il y va. Et euh, ben en fait, ils n'y arrivent pas jusqu'au bout, parce que bon, euh, voilà, ils sont harcelés, etc. par les musulmans, machin. Donc à un moment donné, ils s'arrêtent en chemin et ils décident de camper. Ils décident de camper pour la nuit, histoire d'être peinards et de pouvoir reprendre un peu de force alors qu'ils ont presque plus d'eau, plus de bouffe, etc. Les musulmans décident, euh, c'est la première nuit. Les musulmans décident de les encercler, mais pas de les tuer. Non, parce qu'ils vont s'amuser un petit peu, du coup. Donc, ils il les encerclent. Et puis toute la nuit, voilà, ils font des petits bruits, euh, ils tournent un petit peu autour comme ça pour leur mettre un peu la pression, pour s'amuser. Et puis, bah, lui, Saladin, il est, il est peinard hein, de son côté. Il se ravitaille via des chameaux en eau. Euh, voilà, tout va bien. Et le matin, donc le 4 juillet 1087, donc le deuxième jour, euh, eh bien, euh, les musulmans laissent partir euh, les chrétiens qui commencent à euh, poursuivre leur, leur route pour aller vers les collines de Hatine. Il marche et vers midi, ça y est, enfin, après tant de suspense dans cette conférence, euh, c'est l'affrontement, enfin, ça y est, du sang un peu. Euh, c'est l'affrontement, donc on a des cavaliers qui chargent sur le flanc, par l'arrière, etc. Ça castagne dans tous les sens, il fait encore très très chaud, très très chaud, très très chaud. Entre deux, euh, deux charges, on a Guy qui commence à faire ériger des tentes, non pas pour aller pioncer, mais pour faire un petit peu d'ombre à, euh, à ses camarades qui se meurent devant ses yeux. Pauvre Guy. Les musulmans, eux, qui en profitent pour foutre le feu aux broussailles, le vent étant avec eux, ça dégage pas mal de fumée. Donc, déjà que les mecs qui sont pas très frais sur la colline de Hattin, en plus, ils respirent toutes ces vapeurs et toutes ces fumées qui les mettent un petit peu chaos. Et là, Guy, euh, un peu clairvoyant, pour une fois, j'ai envie de dire, se dit Ouais, j'ai peut-être fait une erreur, c'est peut-être la merde. Euh, c'est peut-être la merde. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait C'est vrai, on a une cavalerie, la cavalerie franque, qui est une cavalerie ultra, ultra performante. On va peut-être s'en servir. On va peut-être s'en servir. Il dit à Raymond III de Tripoli écoute, prends les forces, euh, enfin la chevalerie, tu prends les, les chevaliers, etc., euh, les chevaux, et tu charges euh, les musulmans. Raymond de Tripoli dit ok, pas de problème. Et en fait, la seule faille dans le plan, c'est que Saladin, lui, il le sait, il le sait que cette cavalerie, elle est juste indestructible. Donc qu'est-ce qu'il fait eh bien, Au moment où on a les chevaux, allez, allons-y, les chevaux qui arrivent comme ça, voilà, bah, les musulmans, ils regardent les chevaux et ils font vas-y, mec, passe. Ils se décalent. Ils se décalent, la cavalerie passe à travers les lignes musulmanes et euh, touche pas grand monde finalement. Donc on a les chevaliers qui se retrouvent euh, donc euh, les cavaliers qui se retrouvent de l'autre côté euh, de, 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 des musulmans euh, qui se disent Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup Est-ce qu'on retourne euh, à Athine avec les autres mecs et on se met en danger Ou est-ce qu'on se barre du coup vers Tibériade et éventuellement on s'ouvre notre cul ben, Évidemment, enfin, comme vous et moi, ils sont partis hein, ils ont laissé les autres à Atine en disant Salut les mecs, on se fait une bouffe <laughs> Voilà. Donc euh, cette charge ultime est un méga fail. Voilà, Vous parlez pas encore clingon. Euh, et, euh, et finalement, bah, les musulmans arrivent et puis capturent un petit peu, un petit peu tout le monde. Ils les massacrent et ils les capturent. Le bilan de cette bataille est le suivant. C'est-à-dire que tous les nobles, y compris le roi, euh, est capturé. Les 300 Templiers qui servaient sous les ordres de, de Ridefort euh, sont exécutés, décapités. Et on avait aussi quelques Turcs hein, qui étaient venus en renfort pour aider les, les chrétiens, se font exécuter aussi. Voilà. Et puis, bon, parce que Saladin, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un mec euh, qui, qui est cool. Euh, donc les barons, les seigneurs, il sait quand même voilà, que c'est des gens importants, il, il ne pas. Sauf, euh, quand même, Renaud de Châtillon, c'est son petit cadeau bonus, son petit cadeau à lui. Hein, il se dit écoute, voilà. le... Le mec, quand même, à l'époque, il m'a en, envoyé des petites provoques, des petites piques, en mode euh, « t'as qu'à prier ton Mahomet si vraiment euh, t'as besoin d'aide », des choses comme ça, moi je peux pas laisser passer, donc voilà. Il se fait un petit cadeau bonus, et il se fait plaisir. Les conséquences de cette bataille euh, sont les suivantes. En fait, euh, non seulement pour les nobles, <laughs> tout est perdu, hein, il, en reste, il en reste plus, euh, mais pour le royaume, il n'y a plus de troupes pour défendre le royaume, euh, donc pour Saladin, c'est tout gagné Je me suis même mis à Photoshop euh, pour Saladin, c'est gagné, il est hyper content et en deux mois à peine, il arrive vers Jérusalem et il reprend euh, Jérusalem. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le royaume de Jérusalem euh, donc va conserver le, le nom du royaume de Jérusalem, même s'il n'y euh, a plus Jérusalem dans ce royaume. Euh, mais il est quand même très, très, très mal en point. On a un certain Conrad de Montferrat qui est juste débarqué entre temps euh, va euh, défendre la ville de Tyr. Et donc c'est lui qui va préserver un petit peu euh, cette, euh, cette institution, ce royaume de, de Jérusalem, euh, ce royaume, de, fin, cette cité de Tyr qui sera d'ailleurs attaquée aussi par Saladin, qui ne va pas réussir à prendre la ville de Tyr. Donc Saladin peut va se dire à un moment donné, bah, j'ai calibré euh, Guy de Lusignan, comme ça Guy de Lusignan ira taper en implorant à la porte de Tyr en disant ouvrez-moi, pitié. Et euh, peut-être que Saladin pourra rentrer. C'était sans compter que Conrad, du haut de son rempart, lui dise. Euh, « Désolé Guy, <laughs> c'est moi maintenant, au revoir. Euh, » donc, euh, donc effectivement, la technique ne marche pas, et ce fameux, euh, ce fameux Conrad, euh, quelques temps plus tard, ira lui-même euh, chercher le euh, roi des Francs, Philippe Auguste, le roi des, euh, de l'Angleterre, Richard Cœur de Lion, et l'empereur du Saint-Empire, Frédéric Barberousse himself, euh, pour entamer les Troisièmes Croisades, mais là, ça c'est une autre histoire. La conclusion philosophique de tout ça, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que ce qui a généré, enfin ce qui a permis de créer ce royaume, et presque de provoquer sa défaite à ce moment là, vu qu'il a quand même perdu encore un siècle après, c'est des questions d'ego. Et ça, c'est assez rigolo, parce qu'on se dit, euh, « Ouais, s'il y a des mecs, à un moment donné, qui ne s'étaient pas dit, « Non mais attends, moi, je vaux mieux que ça, quand même, euh, voilà, euh, le pouvoir, c'est pour moi », il n'y aurait pas eu de royaume de Jérusalem. Et si, à un moment donné, il y a un mec qui s'était pas dit, euh, « Ouais, je préfère mettre en danger le royaume plutôt que moi-même euh, », eh bien, peut-être que Guy Lusignan serait jamais sorti de son château, peut-être qu'ils n'auraient jamais été battus à attine et peut-être que bah, ce royaume de Jérusalem n'aurait pas pris aussi cher dans sa face, voilà euh, et, et donc bon, c'est vrai qu'avec des on refait le monde mais, euh, mais voilà je trouvais ça assez intéressant de vous détailler cette petite histoire en tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous remercie et je crois que maintenant c'est la pause c'est la pause ça c'est bien